dans le quartier arabe du vieux Jérusalem. Sous une voûte sombre, je connais un café. Trois chaises de bois brun dans la lumière blême qui tombe d'un néon unique et fatigué. Sur le mur écaillé, la photo d'un notable dans les années 40 sourit près d'un palmier. Est-il de la famille ? Somnolent à sa table, le maître de ces lieux n'en a jamais parlé. Voilà, je dis la vérité. Ici, le temps s'est arrêté. Déférent, on vous sert quelques thés à la menthe. Ou bien de petits verres de café parfumé. L'humeur est à l'oubli et comme nonchalante, soupire contentement, fumée des narguilés. Au plafond peint en bleu, trois mouches se poursuivent, puis se posent un instant sur un calendrier. Dans sa poêle, un beignet frit dans l'huile d'olive. Par la porte, on voit luire le dos rond des pavés. Voilà, je dis la vérité. Ici, le temps s'est arrêté. Les clients silencieux sont là depuis toujours. Du moins, on le dirait, beaux vieillards aux mains fines, à la peau tannée par le travail et les jours, ils ont l'obstination des pierres de leurs collines. C'est à deux pas des souks où la foule se presse dans l'odeur des épices, des viandes et des fruits. C'est un lieu préservé où les heures paraissent calmes et bien à l'écart du monde et de ses bruits. Voilà, je dis la vérité. Ici, le temps s'est arrêté. Voilà, je dis la vérité. Un jour viendra la liberté.